À travers le Centre d'expérimentation et d'apprentissage agricole Shalom, créé en 2015, la Faculté des sciences et celle des sciences agronomiques de l'Université Shalom de Bounia réalise quelques grands projets économiquement rentables et utiles pour la pratique des étudiants de ces deux filières sur le campus Langford de l'institution. Actuellement, ces deux facultés sont en cours de réalisation des projets Bananier et Anana. L'ingénieur Maombi Katato donne ici quelques détails sur le projet Bananier. Alors ici, nous sommes dans un projet Bananier. Ce projet vise à promouvoir les nouvelles techniques de facteurs limitants de la production. Ce que vous voyez ici, déjà moi, il y a un système d'irrigation. Alors nous avons ici 16 variétés. Apprendre les gens comment produire les bananiers dans les savanes. Dans un hectare, nous avons facilement 3500 régions de bananes. Et l'ingénieur Clément Motomo poursuit en présentant brièvement le projet Anana. D'abord, pour les étudiants, un lieu d'apprentissage. Nous voulons prouver aux étudiants que réellement, quand tu fais l'agronomie, tu peux gagner de l'argent en moins de temps. Ici, nous avons par exemple 10 000 ananas. Et planter à une nouvelle façon de planter qu'on appelle la plantation à très haute densité. L'ananas ici à Bounia, c'est 1 $. Donc, comme c'est plus, c'est 1 $. Donc, on peut déjà dire que sur 30 mètres, un étudiant peut gagner jusqu'à 8 000 ananas. Et s'il gagne moins, c'est parce que. Alors, ce que nous faisons, c'est aussi bénéfique pour la nature. Regardez, ici vous voyez par exemple les rats, ils ont consommé. C'est aussi bien pour la biodiversité. Après cette présentation, l'ingénieur Clément Montemoy a poursuivi en soulignant le fait que ces deux projets constituent un cadre de pratique pour les étudiants de ces deux facultés, mais aussi l'Université Shalom de Bounia est une institution chrétienne ayant pour vision l'excellence spirituelle. Ces deux facultés vont à un certain moment organiser des formations de renforcement des capacités pour les agriculteurs de la ville de Bounia. Le principe, c'est d'abord nous expérimentons et puis nous enseignons ce que nous on a fait. Et c'est ce qui est important. On n'enseigne pas ce qui est dans les livres, on enseigne ce qu'on a fait. Et les gens peuvent voir ça. On dit, mais le bon gène, c'est donner la nourriture à ceux qui manquent. Nous avons formé, maintenant ils peuvent faire ça la même chose. Donc pour nous, c'est donner les connaissances pour que les gens soient libres. Donc donner, c'est aussi copier le modèle de Jésus. Et faire libérer les gens, puisque c'est la connaissance agricole qui apporte la sécurité alimentaire. C'est ça un peu l'aspect spirituel que nous, on touche. Et ici, nous aussi, dans la ferme, nous disons, si vous nous demandez de prêcher à l'église, on ne va pas prêcher. Mais si vous nous demandez de prêcher par l'agriculture, oui, nous allons prêcher par l'agriculture, puisque Dieu avait commencé à prêcher par les chats d'Éden. En somme, les quatre objectifs suivants ont été assignés à ces deux projets. Promouvoir la nouvelle technologie agricole, promouvoir les semences saines, c'est-à-dire les nouvelles variétés en notre rendement et sa maladie auprès des agriculteurs. Organiser des formations de renforcement des capacités auprès des investisseurs agricoles et enfin promouvoir les recherches scientifiques. Il suit au finish de noter qu'à part ces deux projets, ces deux facultés en ont beaucoup d'autres, dont celui des papayers, des cultures maraîchères et des piscicultures. Par exemple, dans le bas-fond du campus Langford de l'USB. Ces projets étant économiquement très rentables et socialement très importants pour la population sur le plan alimentaire, ces deux facultés exhortent ainsi donc les investisseurs agricoles potentiels de saisir cette opportunité.